La question qui m'a été posée, c'est celle de statut de celui qui va, entre guillemets, subir une injustice. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وجزاء سيئة سيئة مثلها. Il y a trois niveaux dans la réponse au mal. Sachez, trois niveaux. Premier niveau, c'est ce que vous venez d'entendre dans les versets coraniques. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. C'est-à-dire, il y a ce fameux dent pour dent, œil pour œil, qui est inscrit dans le Coran également, en plus de la Torah, dans la continuité des livres qui ont été déjà révélés. Donc cette question de self-défense, tu te défends, il t'a insulté, tu l'insultes, il t'a fait ceci, tu lui fais cela, c'est un premier niveau. Pas d'injustice, pas d'abus, il t'a fait ça, tu fais ça, ça c'est le premier niveau. Est-ce que tu as commis un péché? Non. C'est ça la question. Mais est-ce qu'il y a mieux? Est-ce qu'il y a mieux? Hein? Ah, la suite du verset. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et celui qui pardonne, son mérite est chez Allah. S'il veut faire le commerce avec Allah, qu'il pardonne. Dans un autre verset, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. On va revenir à ce verset. Ceux qui retiennent leur colère, ceux qui sont dans cette patience, dans cette retenue qu'on a déjà citée dans les spécificités Ibad Rahman, les adorateurs du miséricordieux, ceux-là, qui font preuve de patience, ils auront leur rétribution au-delà de ce qu'on peut imaginer, sans compter. Il y a des degrés dans le paradis qui sont réservés. Et des mérites dans le paradis, dans les plus hauts degrés, qui sont réservés à ces gens-là, qui ont fait ce travail sur eux-mêmes. Ça fait partie de ce qu'on appelle le grand jihad, qui est fardouaïn, qui est une obligation individuelle pour chacun de nous. On en a déjà parlé. Ce travail sur nous-mêmes, qui n'est pas évident. Donc le deuxième niveau, c'est pardonner. Zé, qu'en est-ce que tu as fait? Hein? Hein? Ça, c'est pardonner, ça. C'est pardonné. Et un troisième niveau, qui est très important aussi, dont on a parlé ici même. Il est dans le verset coranique. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulqa illadhina sabaru ma yulqa ila dhu hadhin 'azim. Hadhmu al-hadh al-'azim. Ajaba 'ala al-isa'ati bil-ihsan. Billati hiya ahsan. Troisième niveau, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le niveau de l'excellence, qui n'est pas évident, parce que Allah a dit, c'est pas donné à tout le monde. Mais il qu'il a du hadzin adhim, celui qui a la part sublime, qu'Allah a privilégié, qu'Allah a élu. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est celui qui répond au mal parce qu'il y a de plus beau. T'as le beau et le plus beau. T'as différentes réponses. Le mal par le mal, le mal par le pardon, le mal par le beau et le mal par le plus beau. Je dirais même que c'est le quatrième niveau de réponse. Tu as 50 euros et 100 euros. Et lui, il t'a refusé quand tu avais besoin. Et il avait de l'argent. Toi, tu as 50 et 100, tu le donnes 100 euros. C'est le sens du hadith que j'ai déjà explicité ici et détaillé. جلاتهم من كنا فيه حسب الله حساب يسير وادخله الجنة بغير حساب قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هي قال تعفو عن ظلامك. Le prophète nous a donné ces trois qualités qui te font rentrer au paradis sans jugement. Sans jugement. Parce que tu as su pardonner. Et donc Allah te pardonne parce que toi, tu
Et pardon. Et tu as même tu allais plus loin. Ces trois qualités, nous dit le prophète al-Sallam, donne à celui qui t'a privé. Renoue avec celui qui a rompu avec toi. Et pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Ça demande évidemment du travail sur nous-mêmes. Et cette excellence de comportement, qu'est-ce qu'elle fait, nous dit le Coran ? Elle transforme, c'est l'alchimie de l'amour. Elle transforme l'ennemi en ami intime. C'est ça la profondeur de la spiritualité musulmane. Tu transformes les cœurs, l'alchimie des cœurs. Il était un anti-islam, un ennemi, il devient ton meilleur allié, ton meilleur ami, parce que tu as su répondre mal par ce qu'il y a de plus beau. Très bien. Et pour terminer, un hadith magnifique qui nous donne le témoignage de ses compagnons, de ses pieux prédécesseurs dont on a parlé tout à l'heure. Sabiqul awwalun. Les muhajirin ansar. Sabiqul awwalun kif kanu. Sm'u ma'a Allah yaftah alaykum. On va l'écouter en arabe et en français très rapidement. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rawi wa Abu Hurairah. An rajulan shatama Abu Bakr. Abu Hurairah, il rapporte, il dit, on était assis avec le prophète alayhi salam, puis un homme est venu et commence à insulter Abu Bakr. Il commence à insulter Abu Bakr. Et le prophète alayhi salam est assis. Vous imaginez le mandar? Comment je suis le mandar d'abord? Viens. Sim'u ma'ayah. Faja'al al-Nabi sallallahu alayhi salam ya'jabu wa yitabassam. Abu Bakr sakit. Ou le Nabi alayhi salam ya'jabu wa yitabassam. Abu Bakr, il est insulté. Le prophète, il est assis. Le prophète, regarde, s'exclame et sourit. Abu Bakr, il ne dit rien. Évidemment, par respect au prophète, mais parce qu'il a atteint, comme on a dit, la station de Siddiq. Ce n'est pas une station qui est donnée à n'importe qui. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, cette personne récidive. Et quand cette personne a abusé, continue à insulter, Abu Bakr a jugé bon de lui répondre. Qu'est-ce qui va se passer? Faradib al-Nabi alayhi salam. Le prophète alayhi salam s'est mis en colère. Waqal. Il est sorti. Il a quitté l'assemblée. Falahiqahu Abu Bakr. Et Abu Bakr se lève et le suit. En courant. Il suit son bien-aimé, il suit le prophète alayhi salam. Faqala ya Rasulallah, kana yashtumuni wa anta jalis. Oh messager d'Allah, il m'a insulté et tu étais assis, tais-toi. Et tu souriais. Falamma radadtu alayhi ba'da qawlihi, ghadibta wa qubta. Et quand j'ai commencé à répondre sur un petit peu de ce qu'il a dit, c'était évidemment faux, insultant, blessant. Tu t'es mis en colère et tu es parti. Est-ce que tu peux me donner une explication au messager d'Allah? Parce que ce n'est pas compréhensible. Et là, le prophète, alayhi salam, il dit, c'est normal, innahu, le prophète, alayhi salam, dit, il dit au Rasoul, innahu kana ma'akou malak, yaraddu anak. Quand toi, tu t'es tu, quand tu disais plus rien, il y avait un ange à côté de toi, que moi je voyais, vous ne vous voyez pas. L'ange répondait à ta place, te défendait. Yaraddu anak, yudafi'u anak, subhanallah. Vous voyez quand on a cette noblesse du caractère, cette patience, cette retenue. Falamma radadta alayhi ba'da qawlihi, waqa'a ash-shaytan. Et quand tu as commencé à lui répondre, l'ange est parti. Et Shaitan, Satan, est venu. Est venu pourquoi? Pour attiser la haine, pour eux. Hein? C'est son jeu, Shaitan.
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يمزغ بينهم. C'est pas béni pour lui là. Pour essayer de dire, bah, tiens, tu... Donc, réponse contre réponse, tu dis, non, mais et hop, les voix s'élèvent, et hop, il est parti parce qu'il ne veut pas rester dans une assemblée où il y a Shaitan. On est d'accord, vous voyez. Et puis le prophète, alayhi salam, nous dit, Ya Abu Bakr, thalathun kulluhunna haqqun, ma min 'abdin dhulima bi madlamatin, fayughdi'anha lillahi 'azza wa jalla illa 'azzahu Allah biha wa nasara. Il dit trois choses que tu dois comprendre, Abu Bakr. La première, quand quelqu'un subit une injustice et qu'il laisse tomber, qu'il ne provoque pas, qu'il ne veut pas se, on va dire, se faire justice lui-même, Allah tabaraka wa ta'ala l'élève, lui donne la puissance, lui donne la victoire. وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا سِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَسْرَةً. Et quand tu ouvres une porte, domaine pour renouer avec l'autre, Allah t'amplifie ses biens, te rajoute les biens. Ne pense pas que ces biens sont perdus. Au contraire, sont amplifiés par Allah, bénis par Allah. Et celui qui va quémander, alors qu'il a tout, hein, il quémande, il demande encore et encore, enfin, la mendicité, tout le reste, il veut abonder, Allah tabaraka wa ta'ala, entre guillemets, enlève la baraka et détruit les biens de cette personne. Il souffre de la diminution des biens. Qilla. Très bien. C'est pas la première fois que Abu Bakr est éprouvé de cette façon. Parce que ne sont éprouvés que les élus. Sidna Abu Bakr, quand il y avait le ifk, la calomnie contre sa fille bien-aimée Aïcha, Umm al-Mu'minin, la mère des croyants. Il y avait quelqu'un, Abu Bakr, l'entretenait, un pauvre, Abu Bakr l'entretenait, parce qu'Abu Bakr, il avait une richesse, et il donnait pour Allah à cette personne-là. Cette personne-là a calomnié sa fille, il a arrêté de lui donner. Vous allez me dire, c'est normal. Et quand Allah a révélé l'innocence de Sayyidatuna Aïcha, à travers Sourate An-Nur, la Sourate des Lumières, Qur'an yutla, yubarri umulatana Aisha, radiyallahu anha wa arbaha, Abu Bakr n'a pas repris l'entretien, la bienfaisance qu'il faisait face à cette personne-là. Et Allah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sma'u ma'aya. ولا يتلئ للفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى مساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Comme le prophète عليه الصلاة والسلام à travers le hadith que vous venez d'entendre, il a guidé Abu Bakr vers l'excellence. Il savait que Abu Bakr était dans son droit de répondre. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas commis un péché, Abu Bakr, en répondant à cette personne-là. Non. Sachez-le ça. Il n'a pas commis un péché. Mais le prophète عليه الصلاة والسلام au regard du statut d'Abu Bakr, il a voulu pour Abu Bakr ce qui est de meilleur encore, l'excellence. Allah aussi, à travers les sept cieux, en révélant le verset que vous venez d'entendre, il dit, et que les gens du bien n'arrêtent pas l'entretien, la bienfaisance face à ces démunis, à ces orphelins, à ces muhajirin, et qu'ils pardonnent, qu'ils ne tiennent pas rigueur, comme ils veulent qu'Allah leur pardonne. Vous voyez les valeurs de l'islam, l'élégance de l'islam, la beauté de l'islam. C'est ça le... Donc, avant de terminer, on va faire juste une exposition de 30 secondes de nos outils